Bonsoir. Ça va, merci de votre accueil chaleureux. Vous êtes vacciné ou bien c'est pas... Parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu clivant par les temps qui courent. Moi, j'ai un copain complotiste, pité. Mais je trouve que c'est bien de discuter avec des gens qui ont un autre avis que moi. Parce que je me suis fait vacciner. Hein. Moi, il y avait un truc gratuit dans le canton. J'y suis allé. Ouais, ça s'est pas bien passé, la deuxième dose. Parce que, enfin, déjà, mon pote pité, il me disait « Tu te fais vacciner !» On sait pas ce qu'ils mettent dans ce vaccin. J'ai dit, tu sais, le nombre de fois dans ma vie, j'ai pris des trucs, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Enfin, c'est peut-être même un argument pour moi. Hein. Enfin, c'est... Non, il y a des théories de complot comme ça. Enfin, parce que lui, c'est un force spécial des théories de complot. Quoi. Il me disait, c'est Bill Gates. Le vaccin, c'est Bill Gates. Il veut t'injecter une puce. Mais après, ils peuvent nous géolocaliser. Bon, déjà, j'espère que ça marche mieux que Windows. Puis c'est quoi les débouchés? Enfin, une fois qu'ils nous ont géolocalisés... Je lui disais, pis t'es, de façon, toi, y'a pas besoin de la NASA pour te géolocaliser. T'es toujours au buffet de la gare. Enfin, c'est... C'est jouable sans puce, quoi. Enfin, ça... Non, voilà, autrement, je savais pas de quoi je voulais vous parler. Moi, j'y ai pas... Moi, je voulais pas être comique. J'ai margé aux services sociaux à une époque dans ma vie. Enfin, j'étais employé de commerce à l'époque. Je vais vous raconter comment je suis devenu... Enfin... Bah souvent dans la vie, on dit t'es soit intellectuel, soit manuel. C'est pas vrai, tu peux être aucun des deux. Hein. Enfin, c'est... Moi, je sais rien faire avec les mains, j'ai pas fait d'études. Quoi. Enfin, j'ai une scolarité sur... Enfin... J'ai fait un apprentissage, j'étais réceptionniste, téléphoniste dans une étude d'avocat. Puis au bout de quelques années, j'en avais marre, je me suis fait virer. Au bout d'un moment, de répondre au téléphone... T'arrives plus à faire semblant, quoi. C'est... Une fois, il y a un gars, il appelle, puis il voulait un avocat, puis il pleurnichait un peu, puis il me dit oh, « Il me faut un avocat! Mon épouse veut divorcer après 20 ans de mariage, vous comprenez? Il me faut un avocat, elle veut divorcer après 20 ans de mariage, vous comprenez? Il me faut un avocat, vous comprenez? » Puis, moi, je savais pas qu'il demandait pas vraiment si je comprenais. Puis je lui dis « Écoutez, moi, je vous enligne depuis une minute, j'en ai déjà marre. Je me mets à la place de madame aussi, hein. Enfin, c'est... Moi, bon... Alors, on s'en fout, on applaudit, on s'en fout. Mon propre divorce, j'en ai rien à foutre, alors... Après, je me suis fait virer, c'est une vieille dame, c'est une vieille cliente institutionnelle de l'étude qui appelle. Et puis, je sais pas, elle me donnait du... Elle était sourde, elle me donnait du mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle, j'aimerais un rendez-vous avec le professeur, mademoiselle. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Elle va se corriger. Puis non, elle continue à me donner du mademoiselle. Je me suis dit, il faut que discrètement je lui glisse un indice pour qu'elle se corrige. Je lui ai dit, excusez-moi un instant, le temps que j'attrape un stylo puis que je termine de me gratter les couilles. Enfin... Puis là, elle entendait. Hein, ça... un solo, je me plaindrai, je me plaindrai. J'ai toujours gardé ma lettre de licenciement. Je l'ai dans une chemise plastique à la maison. Il y a un paragraphe que j'aime bien. C'est marqué « À une cliente qui menaçait d'écrire à l'étude pour se plaindre de votre comportement au téléphone, vous auriez répondu « Bonne chance, c'est moi qui ouvre le courrier. » C'était fini, hein. Ouais, donc voilà. Non, mais mon propre... Moi, je suis allé parce qu'avec la mère de mes enfants, on a divorcé. Mais c'est pas un... Au début, enfin, on est allé voir l'avocat. On va voir l'avocat. Et puis, moi, la première question, je dis, c'est quoi votre tarif horaire? Il dit, 400 francs TVA en sus. Je me suis tourné vers la mère de mes enfants. J'ai dit, je t'aime de nouveau. Ouais, non, j'ai... Bah, ça me permet une transition, parce que... Ouais, j'ai des histoires, en fait, que j'ai pas encore vraiment exercées, mais j'aimerais les essayer avec vous. Oh, il y en a deux. Bon, il y a mon ex qui était féministe puis qui m'a largué. Bon, j'ai rien, je trouve que c'est bien. Bon, moi, j'ai souvent pas un public urbain comme vous, j'ai pas l'habitude. Moi, c'est souvent le pied du Jura, mon public, donc t'as une marge de manœuvre avec le féminisme, mais... Là, c'est plutôt... elle est allée à la manif du 14 juin, puis on me l'a rendue, elle était pas comme avant. Enfin, c'était... On m'a rendu Gloria Gaynor, quoi. Enfin, c'était... Je dis ça va, c'est aller faire ta
voix. Enfin, toi. Elle se laissait pousser le poids. Parce que les féministes, j'ai remarqué, j'ai rien contre, hein, faut vivre son époque, mais c'est souvent pas de soutif ou poils sous les bras. Moi, j'ai eu poils sous les bras. Puis un pote, il me disait, mais ta nana, elle a du poil sous les bras. Ça. Puis ça, il me disait, ça te dégoûte pas. Puis je disais, bah ouais, tu penses, moi, je suis fétichiste des dessous de bras. Blablabla. Enfin. Je dis, mais c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Hein. Voilà, parce que je suis prog. Mais je veux, c'est pas ça, je voulais vous parler de la fois où elle m'a surpris en train de me masturber. Non, le féminisme. Moi, je trouve très bien, mais quand même, il y a des limites. À la télé, à la RTS sur Amdam, la nouvelle émission culturelle, l'autre jour, j'ai vu le gang du clitoris. Vous avez déjà vu ces Françaises qui se promènent de ville en ville avec un clitoris gonflable géant? Vous avez déjà... Ouais. Mais si quelqu'un a vu, ça m'arrange, parce que sinon je passe pour un mytho. Mais c'est vrai, c'est le gang du clitoris. Donc elles ont un clitoris gonflable géant, puis elles vont de ville en ville avec. Elles le posent sur la place de la mairie, je sais pas quoi. Puis moi, j'étais devant ma télé, je voyais ça, puis il y a une explication. Elle disait, ouais, en fait, on fait ça parce que tout le monde sait à quoi ressemble un pénis. Parce qu'en fait, c'était... Ouais, il faut que j'explique comme il faut, parce que... C'était pas juste la partie émergée du clitoris, c'est toutes les ramifications internes, tout ça. C'est super compliqué, le truc, c'est une soucoupe volante. Là. Enfin... Puis elle dit... Tout le monde sait à quoi ressemble un clitoris, mais personne sait à quoi ressemble un clitoris. Moi, j'étais devant ma télé. J'étais là, ouais, mais c'est parce que le clitoris, c'est à l'intérieur. Dessine-moi un pancréas, grosse maline. C'est mon combat contre le féminisme. Hein. Donc elle m'a surpris en train de me masturber, mais c'était de sa faute, quoi. Parce qu'une fois, on va au restaurant, on fait un petit anniversaire, je me dis, ouais, on va rester. J'ai mis une chemise, je me dis, il y a moyen ce soir, il y a moyen. Il y a moyen, ça fait quand même une ou deux semaines, il y a moyen. Comme ça. Puis au resto, ben après, on bouffe, je ne sais plus ce que c'était. Puis après, il y a le garçon qui arrive, est-ce que vous voulez se tenter par un dessert? On a le comment on appelle ça, le fondant au chocolat avec sa boule vanille, quoi. Puis elle dit, ah oui, moi j'ai bien envie. Elle prend le fondant au chocolat avec sa boule vanille. Puis je savais que c'était foutu, là. Je savais que c'était... Parce qu'après, tu rentres à la maison, puis elle est là, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. 140 balles, quoi. Merde. Du coup, j'ai cru qu'elle dormait. Je me suis dit, j'en fais péter une. J'en fais péter une vite fait, quoi. Puis, mais ça fait quand même du bruit avec le duvet, ça frotte comme ça, je veux dire. Puis elle me dit, elle dormait pas, elle me dit, tu fais quoi? Je sais rien, tu vois, bon, le réflexe. Puis elle me dit, t'es en train de te masturber. Ouais, puis ça sert à rien de nier. Je me suis fait, c'est un homme en Suisse, j'ai lu ça sur Watson.ch, se masturbe environ 150 fois par année, avec 35 ans d'activité. Ça fait, on est dans les 6-7 000 branlettes. Il y a forcément une ou deux fois, je me suis fait gauler. Hein, c'est statistique. Hein, c'est... Mais alors, un conseil, quand tu te fais attraper devant ton laptop, ça sert à rien d'essayer de remballer. T'as l'air encore plus con, quoi. Faut... Une fois, je m'étais fait choper devant mon laptop, puis elle m'a dit, ah, je regardais, je sais plus ce que c'était, un court-métrage, c'était un livreur de pizza, et puis la dame, elle avait pas de quoi payer la pizza, puis ils essayaient de trouver un arrangement... Puis là, elle me dit, ouais, c'est ça que tu veux. Elle me dit, de toute façon, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Je lui dis, ouais, mais sinon, j'aurais fait livreur de pizza, moi. Ou plombier, hein. Enfin, c'est. Moi, j'aime bien YouPorn, mais bon, enfin. Je trouve qu'au niveau de la géolocalisation, franchement, c'est pas. Parce que des femmes chaudes vous attendent à Hurlicon. Je suis pas désespéré au point d'aller à Hurlicon, hein. Enfin, c'est. J'aime bien les traductions des parce qu'il y a des poètes qui, quand il y a une vidéo, il y a toujours un... Le jour, j'ai vu, c'était « Femme cornée reçoit un chargement sur le coffre ». Non, c'est pas de ça dont je parlais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc elle me surprend, puis elle me dit « Tu penses à moi quand tu te masturbes ?» Puis j'ai dit « Ouais, bah ouais ». J'ai dit, ouais, tu sais, quand je joue à l'euro million, puis que je rêve que je gagne mon salaire mensuel. Ouais, c'était pas... Ouais. Je te jure qu'au pied du Jura, elle passe, celle-là. Hein. Et après, je sais pas quelle heure il est. Ouais, parce qu'on a une deuxième fournée à 21h, purée. Ah, il y a celle qui a dit à tout Lausanne que j'étais un fiasco au lit. Enfin, elle a pas dit à tout le monde, mais le bruit s'est répandu.
Nathanaël Rochard est un fiasco au lit. J'ai pas trouvé correct, quoi. Mais déjà, elle m'a chopé. C'était en boîte, genre à 5h du matin. Là, j'étais en limite en coma éthylique, quoi. Je sais pas comment elle m'a ramené, mais enfin bref. Enfin, elle a dit, on va chez toi. Ou chez... Passer ces 6 soirées. Où t'arrives, tu te dis, il y a moyen. Puis il y a plein de monde, t'es en mode périscope, un peu comme ça. Puis les couples barrent, tout le monde se barre, puis après t'es plus que deux, puis voilà, enfin faut pas... Tu peux pas faire la fine bouche, quoi. Elle me dit, on va chez toi ou chez moi. Dans ma tête, j'étais là, j'ai pas trop envie que tu saches où j'habite. Un gentleman, quoi, et puis... Ah, puis bah, j'étais en coma. Enfin, c'est difficile de faire l'amour quand tu bandes pas. Enfin, après 6 litres de bière, enfin, c'est... Puis en même temps, elle dit, je suis en fiasco au lit, mais il y a qu'elle à blâmer, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'elle croyait. Tu ramènes Nathanaël Rochat, tu t'attendais à quoi? Enfin, je veux dire, tu m'as vu marcher, tu m'as entendu parler, tu t'attendais à quoi? Un marteau-piqueur, un machin, enfin... Enfin, franchement, quoi... Non, mais la nouille, quoi, enfin... Bon, fiasco. Puis, après, je dors quelques heures, comme ça. Et puis, le matin, je me dis, deuxième chance, quoi. Je me sentais un peu plus tonique, je me dis, je peux pas rester sur cet échec, quoi. Mais comme j'avais bu 6 litres de bière, j'avais besoin d'uriner, donc je vais aux toilettes. Et puis, j'étais sans les mains, toi, en mode, comme ça. Puis d'un coup, j'ai l'impression qu'on tirait sur mon pénis, quoi. Genre, qu'on tirait. Puis je baisse les yeux, puis je vois que j'ai encore le préservatif qui était en train de se remplir d'urine. Qui se détache et puis qui roule comme ça. Je me dis, oh, t'en as mis un peu à côté. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin. Puis j'y retourne. Puis là. Tu vois, un peu plus. Mais t'as le deuxième effet qui se coule des 6 litres de bière. C'est les 25 litres de butane dans les intestins, quoi. Oh, il y a des positions à proscrire, hein. Oh! Quand toi, t'as le bite bien tondu. T'as un peu le tournis, puis elle, toi. Ça, j'ai lâché une caisse. C'était game over, c'était la fin du match, hein. Ça sert à rien de. Ouais, c'était un peu mon nouveau sketch, je sais pas si je vais le garder. Ah, C'est pas d'une subtilité incroyable, je suis bien conscient, mais au bout d'un moment, on sait plus quoi raconter. Ouais, je finis sur une bien, enfin, moi j'aime bien. Moi, j'ai regardé les Jeux Olympiques cet été, puis il y a des épreuves... Enfin, j'ai pas tout aimé. Enfin, déjà, là, vous avez vu l'haltérophile néo-zélandaise, transgenre. Non, mais je suis tolérant. Elle était homme, elle est devenue femme, elle fait l'haltérophilie avec les femmes. On n'entend jamais ces histoires dans l'autre sens, hein. Ouais, je savais. Je savais, hein, ouais, c'est... Non, mais c'est vrai, quoi. En plus, l'haltérophilie, je disais, t'arrives à soulever 150 kilos si c'est pour reposer au même endroit. Moi, mon épreuve préférée, j'ai regardé au JO, parce que je m'intéresse à tout, puis j'étais en quarantaine, c'est mon gamin, il a chopé le Covid, il a 15 ans, s'il y a une connerie à faire, il fait. Vous avez vu la natation synchronisée? Ça se décline, il y a trois, c'est ta natation synchronisée individuelle, natation synchronisée en double, puis natation synchronisée en équipe. Je me permets de m'arrêter une minute sur natation synchronisée individuelle. Si toute seule, elle arrive pas à être synchro, faut la laisser se noyer, la nana, hein. C'est... Puis ma blague préférée, enfin, mais celle-là, je l'ai depuis les JO Turin 2006. Ouais, j'ai le carbone 14 de ma blague. Vous avez déjà vu du biathlon? Le biathlon, vous voyez, moi je viens de la vallée de Joux, il y a souvent les épreuves juniors européennes de biathlon. Tu vois, vous voyez ce que c'est? Moi je regarde ça, t'as un adversaire 50 mètres devant toi, t'arrives pas à le rattraper, t'as un fusil dans les mains. T'es pas obligé de tirer pour tuer. Ouais, on la voyait venir, hein, je sais. Bon, je sais pas combien de temps j'ai fait.
faut que j'arrête. Bon, et vous avez été formidable. Je m'économise pour tout à l'heure, merci.